Bonsoir tout le monde, bonsoir tous. Je vous remercie pour votre attention à mon émission télévisée en franco-japonaise du Japon. Nous sommes aujourd'hui le mercredi le 16 novembre à 19h48 à l'heure locale japonaise. Je m'appelle Yasuhiko Yamazaki, je suis un journaliste indépendant de médias Internet. Je suis également un activiste politico-social. Je fais tous les jours, sauf samedi et mercredi, l'émission japonaise YY News Live vers 19h30 à l'heure locale depuis plus de 4 ans. J'ai commencé l'émission française tous les mercredis depuis le 7 octobre l'année dernière. Donc ça fait plus d'un an, pour le but de m'adresser directement aux 220 millions de peuples francophones dans le monde entier pour faire les savoir la vérité cachée et inconnue sur le Japon et sur le monde. Donc le sujet principal d'aujourd'hui, c'est quelle était l'erreur fatale que le président Obama et le Parti démocrate des États-Unis et le peuple américain se sont engagés dans cette élection présidentielle. ということで、皆さん、こんばんはですね。YY ニュース山崎です。今日は2016年11月の16日の水曜日、午後7時49分ということで、若干遅れましたけど、まあ、ほぼ予定通り、放送を開始できましたということで、今日のメインテーマはですね、J'ai déjà pris le même sujet de ce soir dans l'émission anglais-japonaise du dernier, dimanche dernier. Et 今日のメインテーマ、今回の大統領選挙戦でオバマ大統領と民主党米民主党と米国民が犯した致命的な過ちは何かということで、先週の日曜日の英日語放送の中で、取り上げた同じテーマですけど、それを今日フランス語に、日本語のバイリンガル放送の中でも非常にルテームドゥススワレ、je pense que très important que j'ai repris le même thèmeフランコジャポネス、ということで、テーマとしては非常に大事だと思うこと思いますので、今日普通日語バイリンガル放送の中でも取り上げたということですね。砂ずきんさんがイラ・ウフェル・ツイッターでメムスジェ・ドゥ・スジェ・ドゥ・ススワEt puis, Junichi Tsuchiyama-san, il fait presque toutes les missions, mon site est de Continue Coin. そして、天国からさん、deux fois de Continue Coin. Je vous remercie. Bonjour, je commence le thème de ce soir. Quel était...L'erreur fatale que le président Obama et le Parti démocrate des États-Unis et le peuple américain se sont engagés dans cette élection présidentielle. 今回の大統領選挙でオバマ大統領と米民主党と米国民が犯した致命的な過ちとは何なのかと。L'erreur fatale était qu'ils ont choisi Hillary Clinton comme la candidate officielle présidentielle du Parti démocrate.En éliminant le seul candidat à décent, Matomona décent, Sanders, par le fraud système électoral des délégués spéciaux. それはインチキな特別代議員制度によって唯一まともな候補だったサンダースを排除して、ヒラリー・クリントンを正式の民主党大統領候補として選んだことなんだと。ラセイヤ、quand Hillary Clinton était secrétaire d'État de l'administration Obama, elle faisait
d'un secret le commerce des armes privées. Commerce privé des armes en collusion avec la CIA en utilisant les emails privés. ヒラリー・クリントンがオバマ政権の国務長官の時、CIA と共謀して私的メールを使って私的武器ビジネスのを秘密裏に行っていたんだと。Le président Obama et le parti démocrate ont caché le secret et ils l'ont choisi comme la candidate officielle à la présidence du parti démocrate en trompant le peuple américain. オバマ大統領と米民主党はその秘密を隠蔽して米国民を騙して彼女を民主党の大統領公認候補に選んだんだと。Un critique japonais de gestion, M. Keimei Suzuki, a écrit comme suit dans son livre La vérité grave que les Japonais seuls ne savent pas. Le plan d'occupation du Japon par la puissance obscure financière mondiale. 日本の経営評論家鈴木恵子氏は、その著書、日本人だけが知らないこの国の重大真実。闇の世界金融権力の日本占領計画の中で次のように書いているということですね。ヒラリー・クリントン、レデルニエル・アーム。ヒラリー・クリントン avait fait dans ce secret le commerce privé des armes avec la CIA de ramasser en Libye les dernières armes américaines.Envoyé aux forces armées anti-Kadhafi par l'administration Bush et par l'administration Obama qui n'était plus nécessaire par l'assassinat de Kadhafi en 2011.Et de les revendre en Syrie pour le remboursement du régime Assad. ヒラリー・クリントンは米ブッシュ政権とオバマ政権がリビアの反カダフィ勢力、武装勢力に送り、2011年にカダフィ殺害で不要となった米国製最新兵器をリビアで集め、今度はシリアのアサド政権転覆のために転売する私的武器ビジネスを CIA と秘密裏に行っていたんだと。ということが、ce qui était écrit dans le livre de M. Keiko Suzuki. Hillary Clinton avait utilisé email privé pour le commerce privé des armes, sans utiliser l'email officiel du département d'État.ヒラリー・クリントンは私的武器ビジネスのために国務省の公務用電子メールを使わずに私用電子メールを使っていたんだと。そうですね。で、si le président Obama et le parti démocrate des États-Unis et le peuple américain n'avaient pas choisi Hillary Clinton, si ils avaient choisi Sanders pour le candidat officiel de démocrate à la présidentielleSanders aurait fait la victoire écrasante dans une bataille duel entre le candidat républicain de l'extrême droite fasciste, Trump, et le candidat démocratique du social-démocrate Sanders. もしもオバマ大統領と民主党と米国民がヒラリー・クリントンではなくサンダース候補を民主党大統領公認候補に選んでいれば、極右排外主義ファシスト、トランプ共和党候補と、社会民主主義民主党候補、サンダースの一騎打ちとなり、サンダース候補は圧勝していただろうということですね。Et la vie est la vie quotidienne des gens ordinaires du monde entier, non seulement américain.aurait été amélioré pour une meilleure direction que maintenant. そして日本、米国民ばかりでなく、世界中の一般庶民の命と日常生活は今よりもはるかに良い方向に改善されることになっていただろうということですね。
ヒラリーが輸出してたのは武器だけではなかったようですと。ヒラリー・クリントンの執事ということですか。なるほど。Bon, je vais lire le texte français intégral. じゃあ、フランス語の台本を通しで読みます。Le sujet principal d'aujourd'hui, quelle était l'erreur fatale que le président Obama et le Parti démocrate des États-Unis et le peuple américain se sont engagés dans cette élection présidentielle? L'erreur fatale était...qu'ils ont choisi Hillary Clinton comme la candidate officielle présidentielle du Parti démocrate en éliminant le seul candidat décent, Sanders, par le fraude au système électoral des délégués spéciaux. Quand Hillary Clinton était secrétaire d'État de l'administration Obama, elle faisait dans le secret le commerce privé des armes en collusion avec la CIA en utilisant des emails privés. Le président Obama et le Parti démocrate ont caché ce secret et ils l'ont choisi comme la candidate officielle à la présidence du Parti démocrate en trompant le peuple américain. Un critique japonais de gestion, M. Kome Suzuki, a écritet comme suit dans son livre, la vérité grave que les Japonais seuls ne savent pas, le plan d'occupation du Japon par la puissance obscure financière mondiale. Hillary Clinton avait fait dans le secret le commerce privé des armes avec la CIA de ramasser en Libye les dernières armes américaines envoyées aux forces armées anti-Kadhafi par l'administration Bush et par l'administration Obama, qui n'était plus nécessaire par l'assassinat de Kadhafi en 2011, et de les revendre en Syrie pour le renversement du régime Assad.Hillary Clinton avait utilisé email privé pour le commerce privé des armes sans utiliser l'email officiel du département d'État. Si le président Obama et le Parti démocrate des États-Unis et le peuple américain n'avaient pas choisi Hillary Clinton, si ils avaient choisi Sanders pour le candidat officiel démocrate à la présidentielle, Sanders...aurait fait la victoire écrasante dans une bataille duel entre le candidat républicain de l'extrême droite fasciste Trump et le candidat démocrate de social-démocrate Sanders. Et Sanders aurait été le premier président de social-démocrate dans l'histoire des États-Unis. Et la vie quotidienneDes gens ordinaires du monde entier, non seulement américains, auraient été améliorés pour une meilleure direction que maintenant. ということですね。日本語の台本、テキストですね。Je vais lire le texte japonais intégral. 今日のメインテーマ、今回の大統領選挙でオバマ大統領と米民主党と米国民が犯した致命的な過ちは何なのか。それはインチキな特別代理人制度によって唯一まともな候補だったサンダースを排除してヒラリー・クリントンを正式の民主党大統領候補として選んだことだった。ヒラリー・クリントンはオバマ政権の国務長官の時 CIA と共謀して私的メールを使って私的武器ビジネスを秘密裏に行っていたんだ。オバマ大統領と民主党はその秘密を隠蔽して米国民を騙して彼女を民主党の大統領公認候補に選んだんだと。日本の経営評論家鈴木恵子氏は著書日本人だけが知らないこの国の重大真実闇の世界金融権力の日本占領計画の中で次のように書いている。ヒラリー・クリントンは米ブッシュ政権とオバマ政権がリビアの反カダフィ武装勢力に送り2011年にカダフィ殺害で不要となって米国製最新兵器を集め、
今度はシリアのアサド政権転覆のために転売する私的武器ビジネスを CIA と秘密裏に行っていたんだと。ヒラリー・クリントンは私的武器ビジネスのために国務省の公務用電子メールを使わずに私用電子メールを使っていたんだと。もしもオバマ大統領と民主党と米国民がヒラリー・クリントンではなくサンダース候補を民主党大統領公認候補に選んでいれば、極右排外主義ファシストトランプ共和党候補と社会民主主義民主党候補サンダースの一騎打ちとなり、サンダース候補は圧勝していただろうと。そしてサンダースは米国史上最初の社会民主主義の大統領となっていただろうと。そして米国民ばかりでなく世界中の一般庶民の命と日常生活は今よりもはるかに良い方向に改善されることになっていただろうと。On voilà le thème principal de aujourd'hui. Quelle était l'erreur fatale que président Obama et le Parti démocrate, les États-Unis et le peuple américain se sont engagés dans cette élection présidentielle? ということですね。Le temps est passé 16 minutes 39 secondes.J'ai 25 spectateurs en même temps, au total 58 spectateurs. J'ai reçu, j'ai 16 commentaires et beaucoup de commentaires. Et puis, continue coin et le thé, ですね。ということで、今日の普通語、フランス語、日語、普通日語、バイリンガル放送はこれで終わりですね。ルトン、ということで、c'est une erreur fatale ですね。致命的な失敗、過ちですね。Mais le problème, c'est que ni président Obama, ni parti démocrate américain, ni les peuples américains, ils ont commis une erreur fatale, mais ils n'ont pas reconnu cette erreur fatale. Et さらに重大なのは、オバマ大統領もアメリカの民主党もそしてヒラリー・クリントンを選んだアメリカ国民もそのことを全然気がつかない。何の反省もしてないと。こういうことがさらに、重大なんですね。危機的なんですね。ですから最後に私が言ったように、 CIls ont choisi comme candidat officiel du Parti démocrate Sanders. Sanders aurait gagné dans la victoire écrasante dans la bataille duel entre Trump.Le candidat républicain de l'extrême droite fasciste et le candidat démocrate Sanders de social-démocrate. Et Sanders aurait gagné dans une victoire écrasante. C'est révolutionnaire.ですから、もしも、もう今更言ってもしょうがないですけど、もしもサンダースが民主党の公認候補になってたらと、ヒラリー・クリントンではなくてサンダースがなってたらと、サンダースとトランプの一騎打ちになってたら、そしてアメリカの民主勢力、あらゆるマイノリティ等々が反ファシスト、統一戦線を組み、反、
トランプ、統一戦線を組織して、サンダースが圧倒的に勝利しただろうというふうに私は思いますよね。Donc Sanders aurait été le premier président des social-démocrates dans l'histoire des États-Unis。そうすればサンダースはアメリカ史上最初の社会民主主義を唱える大統領となっていただろうと。そして米国民だけでなく、non seulement les gens ordinaires américains, les gens ordinaires du monde entier、la vie et la vie quotidienne des gens ordinaires du monde entier aurait été améliorée pour une meilleure direction que maintenant。ですから、米国民ばかりでなくて、世界中の一般庶民の命と日常生活は今よりもはるかに良い方向に改善されていたということで、Donc, par le fraud de élection présidentielle, Trump a fait la victoire fraude.Donc, cette élection, le résultat de l'élection, n'a pas pu être reconnu. Parce que là, comme j'ai dit dans l'émission d'hier, voilà, Kinono, dans l'émission japonaise d'hier, Kinono va, Kayobi, c'est ça.このアメリカ大統領選挙でトランプが勝利したというのは認めるべきではないということですよね。parce que なぜならば、le 28 octobre, le directeur de FBI, monsieurComey a fait la révélation intentionnellement disant que les affaires de email privé de Madame Hillary Clinton recommenceraient. Donc il a envoyé une lettre.Disant que les affaires de email privé de Madame Hillary Clinton recommencera ですね。Donc à partir de la révélation de Monsieur Comey.Du directeur FBI, la popularité de la étude de l'opinion publique de Madame Hillary Clinton commence à chuter.Et, par exemple, la popularité de Clinton était, la différence entre la popularité de Clinton et Trump datait de la veille, le 27 octobre. Il était 4.40%. Tandis que,le jour suivant du 28 octobre, après la révélation de M. Comey, la différence entre deux candidats était de 3.9% au lieu de 5.4%。ですから、10月28日に、
FBI 公明、FBI 長官が議会に、新たな E メールが発見されたので、クリントン氏の私的メール事件をの再捜査を開始するという手紙をですね、議会に送ったというふうに彼は記者会見でリークしたんですね。それが投票日の11日前、10月28日なんですね。で、その10月28日の前日、世論調査でヒラリーと、それからトランプの支持率の差がですね、5.4% あったんですね。で、28日以降、28日になると 3.9% になった。で、それ以降、その差が縮まって、最後は 2.2% まで縮まっちゃったと。それはなぜかということで、唯一、la raison valable, pourquoi la différence entre deux candidats de la popularité ont été accroussis, 縮まるですね。C'est la révélation intentionnelle du directeur FBI Comey. これはもう FBI 長官のリーク以外考えられないですね。こんなことが起こるのは。ということで、j'ai insisté que le résultat de l'élection présidentielle américaine, la victoire de Trump, il ne faut pas reconnaître la victoire de Trump.Parce que sa victoire était faite par des fraudes et conspirations ですね。要するに謀略によって、トランプは大統領に当選したということですので、これは絶対認められないということですね。トランプ当選でフランス大統領選挙にやる気満々の、そうですね、ルペン。そうですね。Donc, il ne faut pas que la même chose se répète dans l'élection présidentielle en France l'année prochaine. ですから、同じようなことが極右ルペン女子が大統領に当選するというようなことが絶対起こらないようにすべきなんですね。千代子宮川さん、コンティニューコインですね。Je vous remercie et puis、そうですね。Ce soir, je n'ai pas beaucoup de commentaires。今日はなんか、視聴される方が少ないみたいですけど。一応そういうことで、le thème que j'ai développé dans l'émission était très important. Donc, j'espère que le sujet sera, comment dire, dans la grande diffusion. ぜひ、この今日お話したメインテーマを広くですね、拡散していただきたいというのが、私からのお願いですね。ということで、je vous remercie pour votre gentille attention à mon émission télévisée en Japon et japonais, franco-japonais, et que c'est pas mon mot sur le truc ですね。しらすわかめ、まあ気に入らなかったから、こういう選挙に当選無効になったのではないでしょうと。明白な不正でもないなら、という。これもスパムでしょうね、こういうバカなことというのは。Bonjour, merci pour votre attention, et puis je vous verrai, reverrai demain dans l'émission japonaise. ということですね。Le temps est passé 29 minutes, 30 minutes. Et j'ai eu 30 spectateurs, au total de 93 personnes qui ont vu. Et puis j'ai 21 commentaires
Shikaro san, continue coin. Je vous remercie, vous émettez le continue coin. ということです。Bonsoir et puis bonne nuit. À demain.